Bah, ce matin, je vais en tournage. On va chez Steakhouse, on va faire une immersion, une incursion, c'est ça, non? On va chez Steakhouse, on va aller voir un peu comment est-ce que la dame vit les week-ends. Parce que pour être prospère, je pense qu'il y a un fondement, il y a une base. Et j'ai préparé quelques petites questions que je vais lui poser. Il y a un truc qui est sûr, c'est que je sais ce que ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est la force que peut dégager, la force de quelqu'un qui est ambitieuse et qui veut quelque chose dans sa vie. Elle est vraiment forte d'esprit parce qu'elle est créatrice de parfums. Ouh, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, donc je lui dis que je. Voilà. On lui dit qu'on démarre là, on arrive. En tout cas, c'est un week-end encore. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le week-end du... Allô? Allô? Oui, on dit quoi, ma soeur? Ça va? Oui, ça va, ça va et toi? Oh, ça va. Bah, je serai chez toi dans 40 minutes. Hein. Il n'y a même pas de souci, je serai prête. Tu seras prête, non? Ah, ça va, ouais, ça va tuer aujourd'hui. Je vais voir ce qu'il fait là. Je suis en bas. D'accord. Dès que t'es là, tu... Bon, ok, ça marche. Donc, allez, vas-y, à tout à l'heure. Ah, voilà. Voilà, elle est prête. On va en immersion chez Esther Khan. Esther Khan. Une journée sans pression. Sans pression. Et sans filtre aussi. Hein. Sans filtre aussi. On va voir un peu. On va voir un peu comment est-ce que les gens commencent pour arriver là où ils sont. Une journée sans pression. Voilà, je vous rappelle que j'ai beaucoup de contacts et beaucoup d'amis. Au passage, je salue mon vieux peuple Brigel, celui qui fait Paris, Abidjan, Paris. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je sais qu'il doit être un peu en boule contre moi parce qu'il était là récemment, un bon séjour en France à Paris et je n'ai pas pu le voir parce que j'étais tellement débordé par le travail. Là, je profite pour le saluer. Ah ouais. Et aussi un coucou aussi à mon frère. Hein. À mon frère Delmas depuis Abidjan, depuis le restaurant là, j'arrive là-bas très bientôt, on va terminer notre promotion. Et voilà, nous sommes arrivés hein, à Celle-Saint-Cloud, voilà chez Estelle Khan, c'est gâté. On va voir un peu, comme j'ai dit, nous sommes en immersion, hein, on va voir. Hein. Et c'est parti quoi, c'est pour tout à l'heure. Voilà, on est chez Esther Khan. On est chez Esther Khan. Salut notre Esther. Ça va mon frère? Notre parfumeuse de luxe. Hey. Ça va? Bonne arrivée. Ah ouais, ça va. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. Hein. En tout cas, la dernière fois, on était avec l'équipe de Vergès là. Ah ouais. Ta maison la sent trop bon. Papa. Voilà, un petit chez elle. Waouh. Je vous préviens, moi, j'aime pas cuisiner. Ma cuisine est toute simple. Elle est nickel. Elle est toute simple. Avec un bon cellier. Voilà, elle est toute simple, il n'y a rien. Le, si je fais le petit déjeuner de mes enfants, je cuisine à peine. C'est toute ma petite vie qui est là. Ici, là. Est-ce que vous savez comment je lave les vêtements à la main? Ça m'arrive. Pourtant, j'ai une machine à laver. Hein. Tu sais ça? Ah ouais. C'est resté comme ça. Ça, c'est l'éducation. Oh, les filles. D'accord. Victoria, ça va? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça dort, ok. J'arrive tout de suite. Je vais dans ta chambre. Maman, elle arrive. J'arrive parce que tu l'as bloqué le téléphone. Et voilà. Elle a bloqué mon téléphone. Va manger, va dans la cuisine. Où sont tes chaussons, toi? Pourquoi t'as pas pris tes chaussons? Où sont tes chaussons? Allez, on va manger. On va manger. Pourquoi tu te pointes là-bas? Je t'ai mis ici, Victoria. Darren, il dort. Mange.
Tu vas voir que c'est bon. C'est Tata qui a fait, c'est Tata Zainab qui a fait. Je mets les verres là, je m'en vais au bureau. D'accord? Bon, à tout à l'heure les filles. Je vais travailler un peu. Bon, à tout de suite. Je vais au bureau. Hein. Quand vous finissez, vous prenez votre glace et vous allez directement dans votre chambre. J'arrive, d'accord? À tout de suite. Moi, je peux pas travailler sans la musique. Ça, c'est mon truc. Les choses de musique, j'en ai une tonne. J'en ai une tonne parce que j'aime écouter la musique quand je travaille. Bon, ça c'est mon bureau, j'ai pas beaucoup de lumière. Je vais le nettoyer un tout petit peu, mais avec la musique. Je peux pas vivre sans la musique. Ah, il est connecté. Je suis une amoureuse de Taïk, désolée. Aime-moi si tu peux. Bon, ça c'est tout, moi, c'est mon petit bureau. Je sais que tu aimes la musique. Il n'y a pas de musique là pour l'instant. Quand mais, je rentre, je commence déjà à ranger. Ça, ce sont mes cours. Ah, d'accord. Là, ce sont mes cours. Tout le temps, il faut que je... Il faut que tu regardes tes cours. Faut que je regarde, faut que je retienne des choses et tout. Tu visionnes. Ouais. Ça, ce sont mes cahiers de notes. D'accord. Si j'ai des rendez-vous, je note. Mon tableau, il est là-bas, mais bon, il est un peu... Là, par exemple, le 22 mars, j'ai un événement. D'accord. Donc, je colle, je garde. Ah, ça, c'est... D'accord. Ça veut dire que là, c'est le coin où tu ranges tous tes rendez-vous. Tous mes rendez-vous, je les mets là. Tout ça, ça, c'est mes choses que je dois appeler. C'est des fournisseurs que je dois appeler. Ah ouais, range. Les fournisseurs, tu les fais tout le temps. Les fournisseurs, ouais, quand, parce que j'ai des choses à faire, au fait, j'ai des nouvelles choses à mettre en place. Donc, je parle avec des fournisseurs, des choses comme ça. D'accord. Pour mettre en place. Et quand je viens, très souvent, il faut que je dépoussière parce que il y a trop de poussière ici, là. D'accord. Tu vois, là, ça fait 2 jours que je ne suis pas rentrée ici, là. Ça fait fou. C'est compliqué après. La poussière. Wow, j'imagine. La poussière, ça, là. Ça, c'est ma vie. Ah ouais? C'est doux. Il y a tout le secret. Ah, nous, on est... Comment j'ai dit ça? Vous êtes affairés. Nous, on est affairés. Hein? C'est toute la vie, là, même là. C'est ça qu'on veut voir. Ça, ce sont mes lingots d'or. Attends, on voit les lingots d'or, là. Ça, c'est quoi? Ce sont les... Comment on appelle ça? Les essences. Les essences. Ça, mes lingots. Vous avez vu l'essence de la dame, là? Elle a fini de nourrir ses enfants. Elle revient à ses amours. Ouais. Waouh. Qui sont les essences. Les essences, ça. Attends, je vais bien te dire ça. Faut pas y être gâté. Je mets juste un peu là, sinon... Papa, on va me voler. Ah ouais. Et si, ici, c'est toutes mes recettes. D'accord. Toutes mes recettes, tu vois. Note de tête, note de cœur. Ouais. Ouais. Ça, c'est toutes mes recettes. Ça, c'est tout ce que... Et là, c'est tous les huiles essentielles que j'utilise. Tous les produits que j'utilise pour pouvoir mettre dans mes parfums. Et tu vois, tout ça, il faut les connaître par cœur. Par exemple, je te donne juste un nom. Une matière toute simple. On dit petit grain de citron. Mmh, ouais, ouais, petit grain dans le citron là. Oui, oui. On fait du parfum avec. Waouh. Tu as un petit grain de citron. Moi, ce qui est venu dans ma tête tout de suite, quand tu regardes tout ça là, et puis tu arrives au bled. Quand tu vois les. Par exemple, tu vois Arachid. Hey. Oui, Tchongo. Je te jure, la dernière fois, j'étais à Abidjan il y a une semaine, et puis j'ai vu un marchand de fleurs. Et puis je suis arrivé, j'ai dit, est-ce que tu sais que. Si je m'assois là, je prends ma leçon, je peux te sortir des plantes à parfum là, tu ne vas même pas comprendre. Il m'a dit oui, j'ai dit si. Parce que si je te montre tout, même la feuille d'acassa, il y a quelque chose qui peut se passer avec. Il y a quelque chose qui se passe avec. Donc tu vois, là je t'ai pris petit grain de choses. Et par exemple chez nous à Abidjan, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y en a trop. J'étais à Abidjan il y a une semaine, et puis j'ai vu un marchand de fleurs. Et puis je suis arrivé, j'ai dit, est-ce que tu sais que si je m'assois là, je prends ma leçon,
Je peux te sortir des plantes à parfum là, tu vas même pas comprendre.